Oh, tranquille de quoi. Eh oh. Eh oh là. Affichez. Est-ce que numéro. Tu vois. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé. Alors on appelle. Attention. C'est parti. Comment ça, assistance de composition? Allô. Ouais, allô. Est-ce que vous m'entendez? Bâtard. L'enculé. J'avais quand j'ai tiré. Je réessaye. Mais dis tout d'un coup, tu vois, tu envoies tout un patate. Bonjour, vous êtes sur la messe. Oh, le fils de... Mais les couilles, il va rappeler. Allô? Allô, bonjour. Excusez-moi, je suis bien l'entreprise Québec. Ah non, pas du tout. Comment ça, vous êtes pas madame de Québec? Mais vous êtes qui? Et vous? Bah moi j'appelle parce que j'appelle ma banque du Québec et j'ai dû me tromper de numéro, je pense. Ah oui, je pense, j'ai dû me tromper de numéro. Oui, en plus c'est un numéro privé, alors ça peut être n'importe qui, hein. Et n'importe quoi. Comment ça, je comprends pas. Le mec va la rager, quoi. Now fuck that bitch. Voilà, well, bonjour, comment... Je suis bien à Duck Club. Oui. Ben bonjour monsieur, j'aimerais bien, comment dire, manger ce soir, ce serait possible. Allô? Ce serait possible de manger ce soir. Ce serait possible de manger ce soir au Duck Club? Attendez, il y a beaucoup de coupures. Bon, je suis vraiment désolé, j'habitais au Québec, c'est pour ça. Ah non, c'est pas fait. Là, je me suis mis dehors, je t'entends beaucoup mieux maintenant. D'accord, mais j'aimerais bien manger, venir manger au Duck Club ce soir, ce serait possible? Ah bon, c'est une animalerie? Oui, c'est une animalerie. Des trucs à manger. Mais j'ai des gens, des amis français, parce que j'ai venu à Paris, ils m'ont dit que c'était un restaurant. Ah non, pas du tout, monsieur, nous sommes une animalerie. Vous connaissez des restaurants? Parce que je connais pas trop et j'aimerais bien venir aller manger quelque part. Ah bah, y en a un juste en face de notre animalerie qui s'appelle le comptoir. Je croyais que c'était une banque. Ah non, pas du tout. D'accord. Mais dans votre animalerie, vous vendez quoi? Parce que moi, j'aimerais bien acheter aussi quelque chose. Mais vous m'en vendez. Est-ce que vous vendez, par exemple, des poissons? Non, pas du tout. Nous vendons seulement des petits choux. Ah, il y a des choux là-bas? Oui, des choux, des espèces adaptées pour des appartements parisiens. Ah, d'accord. Parce que moi, chez moi, on dit des dogs. C'est pour ça que je comprenais pas. C'est des chiots, c'est des chiens, non? Non, des choux. D'accord. Ben c'est très gentil de votre part, monsieur, de m'avoir dit ça parce que j'étais un peu perdu. Merci. Donc je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, monsieur. Merci à vous de même. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Quel gros bouffon. Le mec il a dû se dire, c'est quoi ce perdu de ta vie. Le con. MDR. Ouh, ça sonne.
Allô, madame. J'ai un problème là. Oui. Il m'est arrivé un truc là avec mon micro-ondes. Monsieur, des micro-ondes sont pas des appareils Electrolux. Il faut contacter Whirlpool pour des micro-ondes. Mais pourquoi, Electrolux madame oui. Pourquoi il faut. Electrolux ne fait pas des micro-ondes, monsieur. Demande de les transmettre. Ah bon? Tous les micro-ondes sont de Whirlpool, monsieur. Et quel est le numéro de l'autre. De l'autre c'est le 01. D'accord, je note à donner. 01 60, oui. 70 48 40 je suis mort. Oh, t'as raccroché. Mais gros, j'ai rigolé, tu vois. Merde, pas. Ben, c'est bon, j'ai.